Salut les gens, c'est le Call Little Gecko and Friend, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Lisa. Et il fait tellement chaud chez moi que j'ai à peine ouvert la fenêtre, mais je suis en train de suer à grosses gouttes, c'est horrible. Je sais pas quelle température il fait. Et juste avant, parce que j'ai fait l'erreur, juste avant d'aller au dojo, j'ai oublié que mon équipe était morte. Je sais même plus comment. Mais Garf et Beau étaient morts. Je vais enlever Garf. Je n'ai toujours pas posté la vidéo où je... Ah, c'est... Faut que je bosse dessus parce que là... là où je filme, je sais même pas... Je sais pas si peut-être on sera au 16e, 17e épisode. Bah là, j'ai que l'épisode 10 qui a été posté. Donc, on va... On va... Qui on va prendre? Tigerman. Tigerman, on va pas le garder, hein, parce que le fait est qu'il soit aussi, putain, qu'il soit aussi dépendant, en fait, c'est vraiment énervant. Alors que là, on a une très bonne équipe. Birdie, on le garde. Beau, on le garde. J'ai fait un peu de recherche, vite fait. Sans me spoil. Personne ne part. Oh. Fais gaffe à ton cul. Ok. Donc je pense que ça doit être la dernière fois que je peux me reposer là. Et donc j'ai fait un peu de recherche. Et j'avais bien raison sur le... Merde, c'est pas où faut que je passe pour aller au... Là, ouais, c'est là. J'avais bien raison pour le village des hommes-poissons. C'est bien dans le marécage, faut sauter... faut sauter dans un des... Dans un des trucs d'acide. Donc je ferai ça juste après. Le... Je peux voir là. Et malheureusement, si je fais une bêtise, c'est que j'ai... en donnant... Enfin, c'est pas ultra grave, mais en donnant... la dynamite, la TNT, aux pirates, ils ont détruit... Ils ont détruit le... Ah, putain. Je sais pas de quoi... On va faire ça. Putain, je sais pas, ça va sortir du truc. J'ai pas de la soupe. Non, j'ai même pas de la soupe. Juste avec des écureuils. On a qu'un seul steak mystère. Cette musique. Voilà. En donnant les dynamites, en fait, aux pirates, ils ont détruit le village dojo. Vous savez qu'on peut y retourner, j'y suis retourné tout à l'heure sans filmer. Et c'est vrai qu'il n'y a plus personne, tout le monde est mort. Voilà, c'est triste. Tout d'abord, un test. Tout d'abord, quand le plus grand adversaire de karaté ayant jamais existé, le niqueur de Time Shop Machine. Piloté par mon cousin Alfonso. Crève. Montre-lui. Ah, merde. Bon, ben... Easy peasy lemon squeezy. Hein. On va pas le faire tomber, il est déjà tombé. Faisons le saigner, buvons un coup, et déclenchons les flèches. Ah merde. On est en manque, ça fait chier. Pas de petite balade. Non, on va pas l'endormir. Ça rend bizarre aussi. Rebois et redécoche. Les dégâts, ça va. Mon dieu, le son est tellement fort. Je vais pas faire ça, il se sent bizarre. Chanson, on va le refaire saigner. Là, on va pouvoir le taper. Et des flèches rapides. Parfait, on l'a pas raté. C'est très peu de dégâts qui fait boum. Mais... Insulte des mères. Le salaud. Non, mais ses problèmes de statue, ils partent direct. Hein. Ouh.
1000 de dégâts. C'est bizarre, ils ne toujours pas faire ça. C'est quand même marrant que le saignement part direct. Aïe. Aveuglé, parfait. Et... j'aurais peut-être pu faire le Kamehameha, mais je n'en fais plus. Non, je suis encore des mers. Toujours le même qui l'insulte. Non. Là, on va le finir. Oh merde, Olan! Ok, il se défend. Merde, mais Olan, mais fuck! Vu que c'est le plus rapide. Bon, j'ai masse de parfum. Mais fuck! Voilà. Plus sec. Ça va, il le tape lui. Parfait, il est plus enragé. Putain, mais il tank! Mon dieu! On va soigner un peu tout le monde. Plus sec. Et il est toujours huileux, parfait. Voilà. Oups. Ouh. Mon dieu! Oh oui! Coup de boule chargé. Il n'apprend rien malheureusement. Solide. Ah, ma tête! Je paye la tournée. On gagne rien, malheureusement. Désolé, Kangi. Eh bien, on dirait que tu es plutôt balèze. C'est un parchemin de karaté. N'oublie pas de le lire. Alors, ce parchemin... parchemin du Christ. C'est écrit en français. Ça peut être si authentique que ça. Augmente l'attaque. On va faire ça... ouais, pour Brad, hein. Avec son bras en moins. Par contre, il faudrait qu'on se soigne. Voilà. On a toujours du café au lait. On a toujours les rations rando qui nous a passé à rando. Hein. C'est bien plaisir. C'est qu'on est... on n'est pas si à poil que ça. C'est qu'on peut encore acheter du stuff. Et s'il est encore là, le mec? Ouais, il est encore là. Salut! Je regrette t'avoir donné des revues. On va acheter deux. Et on va en acheter aussi deux. Voilà. Comme ça, si quelqu'un meurt, ça sera pas grave. Et ça, c'est génial. Bon. La prochaine étape de notre voyage, avant d'aller au barrage, avant de continuer l'histoire, c'est... là, il y avait quelque chose, là. Oui, mais là, on pouvait se reposer. Il y a cette fameuse statue. Je ne sais pas. Peut-être c'est un compagnon qui peut nous suivre. Que c'est pas activer une quête, je ne sais pas. J'espère que la prochaine fois qu'on se reposera, personne ne partira. Je suis vraiment désolé de ne pas poster tout d'un coup, de filmer tout d'un coup. C'est juste que j'ai vraiment le temps là, de filmer. J'ai pas envie de vous flouder de vidéos. Donc, c'est par ici. Et malheureusement... déjà? Mon dieu, on n'a rien fait. One shot! Ouh, Stack Mystère, toujours plaisir, failli dire revu. C'est des petits farms. Faut juste qu'il rate pas, voilà. Juste qu'il rate pas, Olan, et c'est bon. Et on... je pourrais vraiment farm là, mais... il n'y a pas besoin... farm tant que ça, et oui, malheureusement... ah, fuck! Malheureusement, on a ceux-là qui nous bloquent le passage. Donc on a maintenant le coup de boule chargé, qui coûte autant que le coup de boule, c'est parfait ça. Appel des dieux, cul sec, et dégage ta flèche. Aïe. De toute façon, après, Beau nous soigne. Non? Non, il nous a pas soigné? What the fuck? Pas compris. Si, si, ils nous avaient soigné, d'accord. J'ai fait au pif. Ça fait aucun dégât. Appel de sirène.
Massacre-le et décoche la flèche. Enfin! Il y a du bon. Bien sûr qu'il y a du bon. Il n'est pas tombé. C'est le truc, quoi, malheureusement, pour aller au village des poissons, c'est très très loin, en fait. C'est quand même assez loin. Ça fait un peu chier. Soignons pour les boulets, décochage de flèche. Raté, mais merde. 1000 de dégâts, c'est plaisir. Je suis plus en manque. Très bien. Ces serpents font quand même tellement mal. Alors que Brad est quand même, a beaucoup de défense. Hein. Alors c'est pas ici, c'est au prochain tableau. Qui est à l'entrée du village caché des hommes poissons. C'est juste là. Merde. Voilà. Première fois que j'y vais. Je l'ai vu sur le net. Et celle-là? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un cadavre d'homme poisson? Une pile d'os. Très bien. Je peux pas aller plus loin. C'est quoi ça? Ces hommes poissons qui parlent? Équipons-nous du vélo. Je suis sûr que ça va faire aucun sens, mais on pourra sortir en vélo, on pourra sortir en camion. Pas de secret. Vas-y, voilà. Bonjour. Ouais, pas vraiment. Ah, j'ai eu un succès. Le trou est trop petit pour rentrer. D'accord. Musique. Je peux pas aller dans l'eau. Ah, vraiment? Il me faut de l'argent. Ah, je vais aller. En fait, c'est ça qui nous permet de... C'est ça qui nous permet de recruter l'autre homme poisson. C'est marrant, ils n'écartent pas, comment dire... Ils n'enterrent pas leur... Pas leur peuple. Là, toi. Parti là. Non. What the fuck. Bonjour. Ah. Hé, hey, toi. Réveille-toi. Moi, c'est Harvey. Harvey Alibastor, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis votre avocat homme-poisson. Et vous, mon ami, vous êtes dans un tribunal des hommes-poissons. Alors ne vous faites pas une tête de poisson mort et concentrez-vous. Le juge va parler. Je comprends pas. Oh, waouh. C'est votre... Il dit que vous êtes coupable de beaucoup de choses, dont le fait est que vous ayez fait des avances à votre femme. Un instant. Alors, mais je n'ai rien fait. On verra. Ah, d'accord. Vous êtes sûr? Mais quoi? Non. Le chauve dit qu'il en est sûr, mais non. Waouh. Waouh. Mec, excuse-toi, désolé. Mon client, il dit qu'il est désolé. Désolé de ne pas avoir fait un bisou de bonne nuit à votre femme pour la baiser, mais... Cool. D'accord, allons-y. Waouh. Amener un extincteur car j'étais chaud. Je suis de la confiture, toi, t'es la tartine. Comme un serpent dans une botte. Laisse-moi te dire, mon gars. J'avais aucune idée que ce que ces poissons racontaient. Je comprends pas un mot de leur charabia. Je traîne juste ici parce que vous, les humains, vous êtes craignos. Et mec, lorsqu'on travaille ensemble, on fait une équipe de rêve. T'en dis quoi? Tu veux rejoindre mon club d'avocats? Oui, génial. On a un avocat, un poisson. Il a une mitrailleuse. Bon, Olen, tu dégages. Tu parles très bien français, mais pas le poisson. Mon dieu. Putain, c'est quoi cette technique qu'il a? Pistolet à eau, décharge à grande pression, trempette, et comme ça, les alliés peuvent soigner de nombreux statues. Bon, c'est mieux que Magikarp. Hey, oh.
Bien sûr. Est-ce que je peux retourner? Aïe. Je peux retourner? Ah merde. Je l'ai dans mon inventaire, la carte. Est-ce que je... Oui, je l'ai dans mon inventaire, la carte. Bon. Est-ce qu'elle est toujours là? Non. Elle a disparu. Je sais pas qui c'est, mais nous regarde. Je sais pas, Buddy. Ah! Je viens de penser à un truc. Le jeu, il s'appelle Lisa. Mais la... notre fille, elle s'appelle pas Lisa, elle s'appelle Buddy. Ou Buddy, c'est un nom pour la cacher. Est-ce que je pense trop? Est-ce que je réfléchis trop? Est-ce que cette gamine qui nous regarde, c'est Lisa? Enfin, c'est... Je viens juste de capter. Parce que déjà, quand j'avais commencé le jeu il y a très longtemps, je m'étais dit, mais pourquoi... Pourquoi on a... Attendez. Pas où qu'on sort? Ah, bah oui, par là, je suis très con. Bon. Il faudrait que je farme. Je suis con. Il faudrait que je farme pour avoir le... Vous voyez, je joue au mauvais endroit. Sinon, c'est pas marrant. Hein? Ouais, c'est une bonne question, ça. Donc, on est à 30 revues. Je vais pas... Ah, je sais pas si je me soigne, bordel. Est-ce que je me soigne? Fuck. Est-ce qu'on garde Olan dans notre équipe? Parce que Olan, et attendez. Juste, je vais voir. Le poisson, si on lui met... Si on l'équipe de cette arme... Quand même, hein! Il fait quand même beaucoup de dégâts. Et en agilité... Il est qu'à 56, malheureusement. Alors que Olan... démonte tout en agilité. Hein, il est en... à la 111. Ouais. 111... 56... 4 niveaux... Combien 4 niveaux d'écart? C'est ça. Ouais, bah, il est pas ouf. C'est juste du lol, quoi, ce personnage. C'est juste un personnage lol. Donc, on va se soigner avec Stack Mystère. Et on va faire un tour sur l'île déchet. Merde, putain, c'est vrai qu'il faut la sortir. Voilà. Vu ce que donnait la dernière île, petite musique fait toujours plaisir. Direction l'île déchet. Vu que la dernière île, quand même, elle nous avait pas respecté. J'espère que là, ça ira. Dire qu'on a coupé notre bras pour chien fou. Si j'avais su. Mais je ferai un autre let's play chez LDLC. Que j'ai pas. Ça, je referai un peu plus tard, je pense. Let's play Lisa. J'ai plein d'ambitions pour de nouveaux let's play. On est arrivé. On va battre un gros monstre déchet. Est-ce qu'il y aura un gros monstre caca? Comme dans Conquer Bad Fur Day. Ce serait bien un gros monstre caca. Bonjour monsieur. Il vous renifle. J'aime pas votre odeur. Allez-vous-en. Ah merde! La puanteur. Heureusement qu'on l'a. Alors on pue. Hey, mon ami! Je t'ai jamais vu avant. T'as l'air cool. Je vous en prie, venez. Oh, un point de sauvegarde et tout. Je vais me récupérer de la fleur morte parce que c'est quand même juste symbolique. Hein. On a encore les bracelets en soi, c'est les meilleurs.
Oui, c'était sur les meilleurs, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On avait avant les bracelets mouillés. On va se sauvegarder. Parce que... on a fait quand même pas mal de trucs. On va descendre là. On a le caddie cart. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah merde, il y avait un mec en haut. Un homme mouche. Un homme mouche. Juste au cas où. Juste au cas où. Juste au cas où. Juste au cas où. Bonjour monsieur. Je suis le meilleur conducteur de caddie de tous les temps. Tu ne pourras jamais me battre. Ok. Non, je me suis dit peut-être qu'il y aura un dialogue spécial. Si on pue ou pas. Bonjour monsieur. Tu veux participer à une course de caddie? C'est dit, revu. Course de caddie? C'est la chose la plus excitante au monde. C'est une course à un contre un vers la ligne d'arrivée. Tu ne devrais jamais vraiment essayer si seulement dit revu. Mais d'abord beaucoup de monde qui doivent la faire, vous êtes trois sur cette île. Ah! Prêt? Partez! Oh putain, oh! Oh, la belle bleue. Oh, ton père le chou. Allez! Je casse mon clavier! Je vais le battre, je vais le battre, je vais le battre. Ah, oh, en plus j'ai fait du sport hier! Oh, fuck! Allez, Brad, tu peux le faire! Vas-y! Donne tout ton âme, ton cœur! Yes! Pas impressionné. Tu veux participer à une course de caddie? C'est dit revu! Oh putain, attendez, je vais bien m'étirer, je vais prendre un peu de café. Ah mon dieu. Je vais juste vérifier aussi que l'audio est bien enregistré. Ouais. Ouais, non. L'audio est bien enregistré, c'est bon. Ancel! Ah, mais il a commencé un peu avant moi! Allez! Allez! J'ai pris l'avantage! J'ai pris l'avantage! Allez, Brad! Oh. Ah mon dieu, tendinite sur 20! Allez, Brad, vas-y, c'est pas ce pauvre mec qui... c'est pas lui qui lance les marteaux, c'est pas pareil, mais il est nul, on est trop fort! Yes, bitch! Ouais, il est pas trop naze. Ah, mon bras. Tu participes à une course de caddie? C'est dire, rêvé! À chaque fois je le dis, mais bon... Qu'est-ce que c'est que ce mec? Ah, mon bras! Allez. En plus, là, je peux pas avoir de logiciel autocliqueur ou quoi, hein, non. Allez! Oh, je souffre! Allez, Brad! Ah! Je transpire. C'est parti pour une course de caddie. Oh mon dieu, on se fait des sous en plus les gens. On se fait des sous. Oh. Bon. Maestro. Prêt. Partez. Ah là, il est trop fort, c'est le champion de caddie. Allez, yes. Oh, c'est vrai que t'es fort.
Désolé, mon clavier. Vous avez battu tout le monde. C'est là. C'est vous, le champion, maintenant. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Désolé, les gens. Je fais une petite pause, vite fait. Je suis le champion des courses de caddie. Un chat. Ris, car le rire n'est que présence du mal, mais il est sanctifié et absorbé par son propre bonheur. Maintenant, on va te faire enculer. Très bien. Des fois, on peut se permettre d'être sensible. Très bien. Et étranger, pour être honnête, jamais j'aimais ton odeur avant. Je hais cette île. Alors que fais-tu là? Attendez, on va se déséquiper de la puanteur. On va lui parler. Quoi, ils veulent... Il veut plus nous parler, c'est quand même marrant, ça. Surtout qu'on a, on a rien, on n'a pas un statut sans bon. Je te recommande de pas aller plus loin. Ça mène à un bar, mais celles les plus phares peuvent survivre. Sauf que je suis le plus fort. J'ai un putain de homme-poisson avocat. Ah! Je l'avais pas vu. Alors. Ouais, on va le faire saigner. Hein. Oui, c'est bien un mec. Hein. Derrière ce frigo, c'est bien un mec. Parfait. C'était peut-être overkill. Ah ouais, que 100 d'XP. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'était peut-être un peu overkill. Non! Je déteste ma vie, je déteste ma vie. La 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 la. Oh putain. Bon les gens, j'espère que vous appréciez cet épisode. Je vous dis à la prochaine. Ciao et surtout, joue bien. Bye bye.